Bonjour et bienvenue dans ce live créatif du vendredi. Installez-vous tranquillement. Il est un peu plus de 14h. Chez nous, dans la région toulousaine, un beau temps se profile et un magnifique week-end pascal. Comment allez-vous? On est là pour souffler, se détendre, passer un bon moment créatif, un moment de partage. Bienvenue à vous. Alors installez-vous, je vous laisse arriver, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez, un petit bonjour, un petit pouce. Vous êtes en direct simultanément donc sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Et puis pour ceux qui ne sont pas disponibles, il n'y a pas de souci, vous êtes en replay, donc pas d'excuses, vous pouvez participer, me poser des questions. Aussi bien en live qu'en replay, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Alors, je me présente pendant que vous vous installez. Je suis Magali Dangean, je suis votre développeuse de créativité depuis 2019 pour m'aider dans ce champ, dans cette magnifique mission. Je m'appuie des produits de la marque Stampin' Up pour pouvoir créer. J'ai choisi cette marque américaine parce que ces produits sont d'une très grande qualité et permettent une grande polyvalence pour moi qui suis un petit peu, même beaucoup, touche à tout dans le domaine des arts visuels. Donc voilà, c'est du tout terrain, c'est du 4x4. Voilà, j'adore, je suis fan, j'ai testé avant de devenir démonstratrice et de promouvoir cette marque. Donc c'est pour ça que j'aime la partager. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser donc une création en art visuel, bien sûr. Et plus particulièrement, une page de scrap. Alors, il y a 2 jours de cela, j'ai pu vous poster directement donc, le projet que je vous propose de réaliser en même temps que moi, ou juste après moi, comme vous souhaitez. C'est une inspiration très estivale, très ensoleillée, avec une collection qui nous est arrivée il y a un peu plus d'un mois de cela maintenant, une collection éphémère. Stampin' Up donc nous a fait goûter un petit avant-goût des nouveaux produits de la nouvelle collection 2022-2023 qui sortira officiellement le 3 mai avec donc un set de tampons et les poinçons assortis qui vont être présents donc dans ce nouveau catalogue. Et pour nous faire patienter, donc il a concocté, la marque a réalisé des papiers design trop beaux, des papiers miroitants trop beaux et des petits ornements trop waouh. Voilà, donc aujourd'hui j'ai ces outils avec moi. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mes amis, à Christine, à Cécile qui ont pu justement échanger avec moi et qui m'ont inspirée. Voilà, donc ces petits clins d'œil, je pense qu'elles ne me regardent pas, elles sont au travail, mais si elles me regardent en replay, voilà, merci. je vais vous proposer qu'on change de vision. On voit directement donc mon plan de travail, comme ça vous allez pouvoir voir le projet et les outils que vous allez avoir besoin pour créer en même temps que moi. Donc allez, c'est parti. Alors hop, j'ai toujours un petit peu peur de vous perdre, mais on est parti. Yes, je vous vois, c'est parfait. Alors, gros plan sur ma page. Alors c'est un souvenir, je partage avec vous un petit peu mon intimité. Mon fils en a marre que je partage des photos de lui et il a tout à fait le droit. Il est grand maintenant, il a 10 ans. Je suis bien sûr sa première admiratrice comme toutes les mamans. J'aime partager, c'est le plus beau, hein. Et puis j'aime partager effectivement les clichés que je peux prendre de lui, mais bon maintenant, voilà, ça passe. Donc là, je vous ai choisi de partager nos dernières vacances. Alors, on est parti, ça va faire déjà presque un an. C'était la première semaine des vacances scolaires au mois de juillet. Et nous étions à Leucat. Alors, c'était très sympathique parce que on en avait besoin de sortir de cet épisode, entre deux épisodes de confinement. Et on avait loué une petite maison dans une résidence vacances. Et vraiment, l'architecture, elle était trop waouh.
Je n'ai plus le nom de l'architecte, mais vous retrouverez, c'est un village vacances en fait qui a même été classé au au patrimoine des monuments historiques, car l'architecte effectivement voulait développer une vision des résidences vacances, justement. Donc très précurseur, il s'était beaucoup appuyé bien sûr sur tout ce qui se passait dans le bassin méditerranéen et notamment donc en Grèce. Et donc on était dans les années, je pense, 60, avec la démocratisation donc des vacances. C'est pour ça que du coup, cette résidence a été restaurée en faisant très attention et qu'elle fait partie du coup de notre patrimoine architectural. Et donc, ces petites maisons qui sont toutes imbriquées en petits îlots les unes dans les autres, avec cette façade blanche là que vous voyez, ben, on est juste à côté, les pieds sur la plage. Hein, et donc, on avait ce magnifique goéland qui, un matin, eh ben, il est venu nous faire un petit coucou. Hein, voilà. Et ben voilà, ben, j'ai fait le cliché. Hein. Donc, voici les vacances, je vous propose. D'habitude, je fais des variantes toujours entre mon prototype et le live. Là, je vais rester exactement dans la même collection parce qu'elle m'inspire beaucoup. Et j'avais pris un autre cliché de mon copain, donc j'avais hésité entre les deux, donc du coup, ben, il n'y aura pas de jaloux. Vous voyez, c'est toujours le même, mais il nous regarde un peu plus cette fois-ci. Voilà. Donc ça, c'était la note touristique. Pour réaliser donc cette création, j'ai pris du papier blanc simple, épais. Effectivement. Le blanc simple épais va avoir une meilleure tenue par rapport à nos travaux de colorisation. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de partir sur carrément du papier aquarellable. Restez sur un papier blanc simple, ça ira. Chez Sampin Up, le papier donc a un grammage de 110-120 grammes. C'est très bien, on aura une bonne tenue. Si vous n'avez pas ça à la maison, faites attention au grammage de plus de 200 grammes. Voilà. Hein, pour tous ceux qui travaillent comme ça, pour avoir une bonne tenue et une bonne résistance des encres. Ensuite, j'ai utilisé donc un trop beau ruban effiloché, super épais, donc dans lequel j'ai glissé ma petite photo. Ici, donc j'ai repris un tampon qui se trouve directement donc. Je rentre dans le vif du sujet Vague d'inspiration, donc qui est une nouveauté que vous allez retrouver dès le 3 mai dans le catalogue annuel, mais qui est déjà disponible. Comme je vous disais, donc c'est le petit cadeau de Stampin' Up! Pour attendre la sortie du catalogue. Donc dedans, on a une vague trop belle, des souhaits, toujours pareil, j'aime beaucoup le travail au niveau de la police. Et puis ce magnifique oiseau sur son ponton, donc c'est un petit peu drôle. Et le petit oiseau. Assorti, donc vous avez les poinçons vagues, donc il y en a deux à l'intérieur parce que vous allez pouvoir jouer avec au niveau de la superposition. Vous avez ensuite de très belles étiquettes avec un petit travail de surpiquage, des effets pour donner à votre vague, ainsi que donc des petits oiseaux et des nuages qui sont vraiment en relief, qui sont très jolis. Donc en fait, je vais utiliser donc ici donc mon petit oiseau sur son promontoire, ainsi que mes découpes vagues, mes petits nuages. Je vais utiliser aussi mon petit oiseau et mon étiquette. Voilà, donc les poinçons que je vais utiliser. Ensuite, mon texte. Alors, je l'ai tiré du C créé entre amis qui regroupe au total 17 tampons, qui sont donc des tampons clear, qui font partie des références. C'est l'une des références qui va nous quitter, donc qui est commandable jusqu'au 2 mai 23h50 directement sur mon site, jusqu'à rupture des stocks, s'il y en a toujours. Donc allez-y faire un petit tour. Je vous donne la référence 156 060. Je trouve que c'est un C qui passe
très bien pour justement créer ces textes pour nos pages de scrap, no, notre art journal, notre bullet journal ou tout simplement agrémenter donc un carton d'invitation, célébrons, créons, invitons-nous entre amis. Donc c'est un très joli c'est de texte créé entre amis. Voilà. Et donc c'est de là dont sort mon petit tampon formidable. Je vais revenir sur la collection. Donc je vous disais qui accompagne donc cet avant-lancement de catalogue. Vous avez les bijoux classiques et cristal du Rhin vague. Donc vous pouvez tout commander en collection et donc ensemble les tampons, les poinçons. Avec les bijoux, donc on a quatre déclinaisons, cinq même déclinaisons de couleurs, qui sont bien sûr dans les teintes, toujours pareil, assorties au papier. Nous en avons au total 168, on a de quoi faire. Donc j'ai pu les agrémenter directement sur ma page. Et ensuite, ben voilà, le magnifique papier miroitant qui est en bleu nuit et Copacabana. Grande planche de 30 par 30. Vous avez trois couleurs en fait à l'intérieur. Donc Copacabana ici, qui est trop beau. Le bleu nuit que j'ai utilisé. Donc vous voyez l'effet miroir. On est 30 par 30, c'est vraiment de belles planches. On peut faire vraiment de belles décorations. Et puis ce métal brossé qui est super trop beau. Donc voilà. Ce bleu nuit, il est magnifique. Donc vous avez six pages à l'intérieur, donc pareil, qui fait partie de la collection avec les ornements et puis le papier. Alors vous me direz que j'aurais pu directement prendre le papier design inclus dans la collection pour créer, c'est vrai, mais je voulais vous montrer une technique avec les poinçons, comme quoi de temps en temps. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. On a déjà tout sous la main pour créer. Je vous montre donc le papier design qui fait partie de notre collection, donc Vague d'Océan. Que voulais-je dire? On a 12 planches comme d'habitude, recto verso, format 30,5 par 30,5 cm. Donc là, j'ai des vagues trop belles. Et un dégradé d'eau super beau. Ensuite, je vous montre encore. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, c'est vraiment superbe. Il y a eu un gros travail au niveau de la création des encres. Je suis vraiment très très fan. Ça va être une thérapie, hein, va falloir se faire violence pour le découper celui-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est vraiment magnifique. Voilà, je crois que je vous ai montré toutes les planches. Ouais, c'est bon. Ouais. Non, je vous ai montré les bulles. Yes, voilà, avec ce magnifique jaune. Donc 12 planches à chaque fois, 6 pour le papier miroitant. Donc vous voyez, on a vraiment de quoi créer dans la collection. Et vous retrouvez bien sûr toutes les informations directement sur ma page, sur mon site www.magalidangean.com. Voilà, la boutique et les informations sur cette collection, notamment. Donc, ben voilà, je vous ai tout montré. On n'aura pas besoin de plus pour créer. Si, pardon, il nous manque les encreurs. Alors, je suis partie sur le dégradé, bien sûr, de la couleur de la collection Bleu Nuit. Pointe de Pacifique. Non, je ne le vois pas là, vous le voyez. Ensuite, Béguin Bleu. Et pour notre petit oiseau, je le ferai en Doux Suède. Voilà. Je vais m'amuser à travailler les oiseaux donc avec ma Memento noire. J'ai sorti mes super brosses toutes douces où mes jeunes filles qui assistent à chaque fois à mes ateliers voudraient se caressent la joue avec, tellement que c'est doux. Un petit peu d'encre liquide, il vous faudra aussi de l'eau. Alors, soit un aquapainter, soit un pinceau et un bock d'eau. Un peu de mousse 3D pour fixer donc notre souhait. Et voilà, de la colle liquide. Et c'est tout. Ah si, et puis il y aura ma recette traditionnelle, mais ça, je vous la montrerai à la fin et on en reparlera. Voilà, je vous ai tout sorti.
tout le shopping list. Je vous ai parlé aussi de la collection, comme ça, si vous voulez vous la procurer en intégralité, c'est maintenant et c'est jusqu'à rupture des stocks, donc ça serait dommage que vous passiez à côté. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir flashé, donc voilà. Je vais prendre mon coupe-papier, je vais commencer par découper ma base. Je suis partie sur une base carrée, comme souvent c'est le cas dans nos pages de scrap, qu'on mette sous cadre ou dans notre album. Et donc là, j'ai fait tout simple un carré de 21 cm par 21 cm. Voilà. La chose qui est possible aussi, c'est que on va travailler notre page de scrap en 21 par 21. Et l'idée, c'est que vous pouvez aussi, si vous voulez, la coller sur une page de papier design si votre album est fait plus grand. Vous voyez, ça peut être super sympa aussi. Voilà. C'est une idée. Je vous envoie les étincelles. Alors, comme je vous disais, je voulais vous montrer une petite astuce dans cette vidéo. C'est la thématique de cette vidéo. C'est de transformer nos poinçons en pochoirs. Alors, on pourrait prendre effectivement nos poinçons métalliques et directement les apposer sur notre papier et s'en servir comme pochoir. Ça, c'est la première possibilité. C'est pas celle que je suis la plus fan parce que le contact métallique sur le papier va bouger, même si on met du scotch, ça va pas être le plus pratique, on va dire. Moi, ce que je vous propose, c'est de réaliser vos découpes sur un support qui va être assez épais pour ressembler un petit peu au pochoir qu'on peut retrouver dans le commerce. Ma technique, du coup. Donc, j'ai pris la décision, moi toute seule, après plusieurs tests, de faire un petit mélange. Donc, j'ai pris mon papier blanc épais. Ok. Je vous avais parlé il y a quelque temps des feuilles adhésives. Je ne sais pas si vous étiez déjà là. Si vous me suiviez à l'époque, n'hésitez pas à revenir en arrière si ce n'est pas le cas. Sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes les vidéos que j'ai réalisées tuto. Donc les feuilles adhésives, c'est super parce que lorsque vous avez de fines découpes, vous le collez directement au dos du papier et ensuite vous réalisez votre découpe et vous n'avez plus qu'à poser votre papier en ayant enlevé au préalable donc la petite pellicule. Ça vous permet, lorsque vous avez des découpes très fines, de pouvoir donc les fixer plus facilement. Ah, bonjour Dolly depuis l'île de la Réunion, magnifique. Et bienvenue. Donc là, on ne va pas l'utiliser dans le premier but, le premier objectif de fixer notre découpe. On va l'utiliser pour donner une certaine consistance, au contraire, à notre découpe. Je m'explique. Sur notre feuille de papier autocollante, j'ai de la colle adhésive, ok, plus du papier plastifié qui protège ma colle adhésive. Ça va me permettre d'avoir une couche donc supplémentaire sur mon papier, d'avoir une certaine rigidité. Et vu que le papier est brillant, donc notre poinçon va pouvoir se fixer sans s'accrocher forcément sur le papier qu'on veut masquer. Donc ça, c'est mon astuce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. En plus, bien sûr, de notre création de pages scrap et de colorisation. Donc, j'ai réalisé mes deux découpes qui sont très fines. C'est pour ça que j'ai pris aussi cette collection. C'était pour vous montrer qu'on peut, même avec des poinçons super fins, réaliser donc des découpes type pour créer des pochoirs et créer avec. Donc, je vais positionner mes deux pochoirs. Alors, vous avez vu, en plus, ils ont des angles. Alors, le but de ces poinçons, s'il y en a deux, c'est qu'on peut les superposer en jouant avec des papiers différents. Ok. Là, nous, c'est pas ce qu'on va faire. Je vais m'amuser, vu que j'en ai deux. Il y en a un qui est un peu plus grand. Ça va me faire un effet de vague. Ok. Alors, je vais prendre du masking tape, du ruban scotch. Et je vais commencer par essayer de le décoller. En plus, je ne prends pas le bon, mais c'est pas grave. J'ai tout préparé sauf ça, mais c'est pas grave. Tout va bien. Et donc là, je vais décoller un certain bout de mon ruban masking tape et je vais commencer par enlever un petit peu d'adhérence en le collant et en le décollant sur ma main.
Voilà. Je vais ensuite découper des petits bouts pour pouvoir fixer mon pochoir. Alors, je vais essayer de me centrer par rapport à la caméra pour que vous y voyez bien. Je vais commencer par fixer celui-ci qui est donc juste un angle. Et pour le fixer, je vais utiliser en fait mon masking tape et le faire directement coller, adhérer à ma base de dessous. Ok ? Je vais utiliser des petits, juste les angles de mon masking tape pour fixer ma feuille sur mon brouillon, sur ma protection. Voilà, alors je colle juste un tout petit peu l'angle, hein, vous avez vu, hein, je suis super soft. Et il me manque du scotch, donc je vais continuer à faire de même. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de fixer mon pochoir pour qu'il puisse rester sur ma feuille et en même temps, je fixe ma feuille pour qu'elle aussi ne bouge pas. Et oui, parce que vu que je fixe mon pochoir sur mon brouillon, j'aurai le risque au moment où je vais étaler ma peinture, faire ma colorisation, que celui-ci bouge. Alors là, je vais m'amuser, je vais aussi utiliser le quadrillage pour pouvoir m'aligner, essayer de faire quelque chose de droit, de sympa, et je vais faire exactement pareil, je le fixe à l'extrémité. Alors là, je suis vraiment sur des vagues. Donc, je vais découper des petits bouts de masking tape pour faire en sorte que là, je suis contrainte d'avoir quand même un petit point de fixation de ma vague sur ma feuille. C'est là où je suis un peu embêtée, je suis obligée. Voilà, et là, je fais de même, mais je fixe les deux en même temps, l'un contre l'autre. Alors, je m'amuse dans cette création, je profite de l'opportunité d'avoir deux pochoirs, ok, deux poinçons. Vous pouvez, si vous prenez une autre collection, vous pouvez tout simplement reproduire l'image qui vous intéresse, le nombre de fois que vous voulez, et la fixer. Donc vous voyez là, j'ai mes pochoirs qui sont fixés, j'ai ma feuille qui est fixée. Je pense qu'on peut y aller. Les endroits où mon masking tape sera présent sur ma feuille, je les décollerai au moment où j'aurai fini, je vais vous montrer. J'essaye de limiter, on va dire, l'empreinte du scotch sur mon pochoir. Mais à un moment donné, effectivement, je vais être obligée de les décoller pour pouvoir faire un petit peu de colorisation. J'ouvre mes trois encres avec lesquelles donc, on va s'amuser et je vais commencer par la note la plus claire. Alors j'ai décidé d'utiliser Béguin bleu sur le ciel, donc il sera en haut, et ensuite Pacifique bleu, pointe pacifique pardon, et bleu nuit pour réaliser donc mon dégradé au niveau des vagues. Ma couleur la plus claire étant pointe pacifique, je vais prendre donc ma brosse et je vais directement la frotter sur mon pad et je vais tamponner. Alors, vu que c'est la première fois, je vais quand même un petit peu décharger ma brosse sur mon brouillon. Et là, je vais faire 10 cercles, je vais faire le tour. Déjà, je commence par le tour de ma feuille. Donc, vous voyez, hein. Pareil, je recharge, je frotte un peu, je tapote pour décharger, pour éviter que j'ai des taches, et je continue sur le bord. Là, pour l'instant, je ne travaille que ma feuille. Je ne suis pas au niveau des pochoirs. Là, je fais mon fond de mer. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si je vais trop vite ou si vous avez besoin de connaître des références au niveau du matériel, c'est possible aussi, même si vous êtes en replay. Pas d'excuses. Donc là, je continue à décharger, à faire mon travail de dégradé parce que la mer n'est pas d'une seule couleur, d'un seul bleu. Voilà. Et le travail au brosse est très agréable parce que c'est très doux
Et en même temps, c'est très rapide. Hein, comme vous voyez, on a vraiment déjà changé le bas de notre feuille blanche. Hop. Et donc, moi, j'aime bien accentuer les angles. Et les bords. Donc, c'est pour ça que vous me voyez beaucoup repasser sur les bords. Voilà. Là, pareil, je vais continuer. Depuis le bord. Hop. Donc là, au milieu, c'est un peu clair. Alors là, j'ai mon scotch qui s'est un peu soulevé. Je rappuie. Alors, n'hésitez pas, si c'est des encreurs que vous utilisez depuis un petit moment, que vous voyez qu'ils sont secs, à les réancrer avant, bien sûr, de faire notre colorisation à la brosse. Donc là, je vais délicatement profiter que mon masking tape soit un petit peu soulevé. Voilà, et là, je vais faire pareil de ce côté. Vous voyez la différence, hein, c'est déjà flagrant. Hop, voilà. Et voilà, comme ça, ça sera beaucoup plus discret. Ensuite, maintenant, je vais venir au niveau de mon pochoir. Et donc là, je vais m'amuser, je vais continuer tout doucement, avec ma brosse toute douce, à passer donc sur mon pochoir. Alors, moi, je veux vraiment que ma vague, elle ait des reflets bleus, pointe pacifique, et des reflets, elle va avoir après des reflets bleu nuit. Ok, donc je vais passer partout, mais là je vais moins rechercher mon travail de régularité, on va dire, comme je pouvais l'avoir ici. Si j'ai des zones un peu plus claires, ça ne me dérange absolument pas. Si ma brosse déborde un petit peu de mon pochoir, ça ne me dérange pas. Je suis dans le principe que ma vague, elle va éclaboussée, elle va... Voilà quoi, elle vit. Ok. Par contre, je m'amuse avec l'aspect blanc que ça va créer lorsque je vais soulever mon pochoir. Alors là, j'appuie bien mon pochoir parce que vous le voyez, hein, là c'est une partie où c'est vraiment... Là, je vais en rajouter un petit peu de bleu. Où là, la découpe est super fine, donc on va être très délicat. Hop. Et... L'avantage des brosses, c'est qu'on ne va pas abîmer donc notre pochoir fait maison. C'est pour ça que je vous les recommande. C'est un travail qui serait beaucoup plus difficile si par exemple on était avec le doigt éponge, vous savez. C'est quand même... on est plus dans une action de frottement du papier. Et du coup, c'est... Le danger, c'est de casser notre pochoir. Voilà, je vais rajouter un peu de bleu ici, sur mon bas. Voilà. Ensuite, alors, je pense qu'on a besoin un peu là. Alors, j'essaye de suivre le sens de ma vague. Je suis dans ma vague. Hop. Je tiens bien mon pochoir pour justement avoir l'effet, lorsque je vais soulever, magique de ces parties qui auront été masquées et qui seront, elles, restées blanches. Alors, comme toujours, à chaque fois, on a l'impression que ce qu'on fait, ça ne se voit pas. Détrompez-vous. Lorsque nous allons soulever, on va vraiment voir la partie blanche. Et là, on va se dire, ah ouais, quand même, j'ai mis quand même pas mal de peinture, de couleur. Hop, et puis un peu plus là. Alors, l'autre avantage de la brosse, c'est qu'il est plus difficile, on va dire, de faire des bêtises avec la brosse. Si on prend cette habitude de décharger un petit peu la brosse au moment où on fait la colorisation,
juste avant de venir sur notre papier, on n'a pas le risque d'avoir des traits comme avec l'éponge ou le doigt mousse. On a un travail qui est beaucoup plus délicat et on va plus pouvoir mieux contrôler, je trouve. Alors, c'est mon expérience, hein. C'est peut-être que je suis trop brutasse et que j'ai besoin de quelque chose de léger, de doux. Mais bon, voilà, mon expérience, c'est celle-ci. Alors, je vais continuer en regardant très légèrement. Alors, là, ici, je vais essayer d'en mettre un petit peu de bleu. Après, je m'inquiète pas trop parce qu'après, je vais avoir le ruban là qui va revenir dessus. Donc, j'ai pas envie de trop faire de bêtises. Je pense que je suis pas mal. Donc là, je ferme mon bleu le plus clair. Et maintenant, je vais continuer avec la même brosse. Vu que je suis dans les mêmes couleurs, ok, dans le même dégradé. Je pars du plus clair vers le plus foncé, ok? Ce qui me permet de garder le même outil, de ne pas en avoir forcément plusieurs sous la main. Et je sais que je ne vais pas abîmer mon pad, mon encreur, parce que justement j'apporte dessus, s'il en reste, une couleur plus claire, ok? Par contre, on ne fait jamais dans le sens inverse, hein, parce que sinon la cata. Alors, je dis, on ne fait jamais, moi la première, vous pouvez me voir de temps en temps, même dans les lives, si je ne suis pas concentrée de faire cette bêtise. Mais c'est juste maintenant, vu que c'est une bêtise, que je partage. Attention, restez concentrée. Ouais, parce qu'après, il faut que vous nettoyez l'encreur. Et là, c'est plus coton. Alors, je vais rester dans le même principe de bien foncer mes bords. Hein, avec mon bleu nuit, créer des jolis effets. Voilà. Et je trouve que les deux couleurs, vous avez vu comme ça se marie, on est vraiment dans la mer. Hein, là. Enfin, moi, personnellement, je voyage là. Hop là. Voilà. Et maintenant, je vais remonter tout aussi délicatement que j'ai pu le faire au préalable sur mon pochoir. Pour créer cet effet avec les deux encres qui vont se mélanger. Pas de façon uniforme, parce que nos vagues ne sont pas uniformes dans la nature. Donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit de la même teinte exactement à chaque fois. Et vous voyez, je ne passe pas partout avec mon bleu. Encore une fois, je me crée des zones. Alors, il ne faut pas avoir peur de se mettre de l'encre sur les doigts. Je vous rappelle que nous sommes avec des encres à base d'eau et non d'alcool. Du coup, vous pouvez sans problème vous laver les mains. Alors, je dis ça, mais il y a des encres, tous les pigments un peu rouges. Par contre, même si on est en base d'eau, c'est quand même toujours plus difficile. Ils sont plus... ils sont beaucoup plus forts. Voilà. Donc là, je passe autour de ma vague. Je crée un effet un petit peu différent qu'avec mon point de bleu pacifique. Oui, ma pointe pacifique, je vais y arriver. Voilà. Pour rester toujours dans le même esprit. Hop, alors là, j'ai le scotch qui est parti, mais ça ne me dérange pas. Je vais bien le tenir. Voilà, et voilà, nickel, parfait. Je vais peut-être rajouter un petit peu de reflets sur le milieu. Et alors, ce qui est agréable, c'est que les couleurs se fondent. J'ai vraiment quelque chose qui n'est pas... uniforme, sans être une différence marquée, ok. Vous voyez mes vagues déjà qui sont en train de se former. Il y a du remous, hein. Allez, maintenant je vais bien foncer mon bord.
Hop. Je soulève mon scotch parce que là, je suis sur la dernière étape. Et là, je vais vouloir effacer mes démarcations. Donc là, j'insiste beaucoup et j'appuie. Là, pareil, je soulève l'angle. Hop, je soulève bien l'angle. Il y a une toute petite pointe, même pas un millimètre qui voulait rester collé. Hop, je tiens toujours mon papier là, du coup, mon petit sandwich. Alors voilà, je voulais donc... C'est mon astuce pour créer avec le matériel que nous avons, très rapidement, sans forcément passer dans des magasins ou faire le tour de tous les sites et attendre le livreur. Parce qu'on a une idée, parce qu'on a un projet, on a un poinçon qui nous plaît, allez, on y va. Voilà. Pas besoin d'attendre, pas besoin d'autre matériel. On est parti, on a tout ce qu'il faut. Alors là, je pourrais m'amuser, si je le souhaitais, de rajouter des poissons. Voilà. Donc là, je suis très contente de mes bords qui sont super foncés et qui me font donc un très joli effet. Voilà. Maintenant, vient l'opération délicate où on va soulever. Hop, alors je vais refermer mes encres vu que j'ai fini. Je vais soulever donc mes petits pochoirs maison. Et voilà mes vagues. Elles sont superbes. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, on peut les réutiliser. Vous voyez, je ne l'ai pas déchiré. Il ne s'est pas abîmé. Je n'ai pas mis d'eau. D'accord ? Donc, vous regardez, vous, pour les stocker. Si le travail vous plaît, vous pouvez aussi enlever donc la protection de scotch et directement réutiliser pour coller sur un nouveau projet. Voilà, donc c'est du 2 en 1. Hop, maintenant on va faire le ciel avec nos petits nuages qui sont présents donc directement dans toujours pareil dans notre lot de poinçons. Et là, je vais partir uniquement avec une seule couleur, avec du béguin bleu. Donc là, par contre, mon éponge, ma brosse, pardon, qui a servi pour ma mère, je la mets de l'autre côté, parce que là, il ne faut pas que je me trompe. Et comme pour tout à l'heure, j'ai utilisé donc mon petit montage de papier blanc simple épais, avec une feuille adhésive sur le dos, donc ce qui fait que ma découpe est super rigide. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon scotch pour coller directement donc sur le dos de mes petits nuages. Comme ça, là, je ne vais pas faire de marque. Donc, je le mets sur le dos. Alors, vous me direz, mais Magali, vu que tu es avec des feuilles adhésives, tu peux directement l'utiliser. Certes, mais la feuille adhésive a une puissance de colle, une puissance de fixation assez forte, qui fait que j'aurai des difficultés à retirer mon petit nuage. Et si j'y arrive, j'aurai le risque d'abîmer mon papier. Et c'est pas ce que je veux. Alors du coup, je reste avec ma petite astuce. C'est-à-dire, je prends mon ruban, mon masking tape, mon ruban de colle, que je transforme en double face en faisant un petit boudin. Voilà. Et après, je vais pouvoir du coup disposer mes nuages un petit peu comme j'en ai envie. Ils auront un point de fixation et ne bougeront plus. Surtout, quand je vais les enlever, je n'aurai pas de marque. Alors, je vais commencer par celui-ci un peu plus bas. Je n'aurai pas abîmé mon papier. Hop. Alors pareil, hein, je m'aide avec
mon petit papier de dessous, mon petit papier brouillon pour aligner mes petits nuages. Voilà, j'alterne avec des petits, des gros. J'alterne aussi un petit peu au niveau de la hauteur. Hop. Voilà, que j'ai envie qu'il descende un petit peu plus, qu'il soit coupé. Et voilà, j'en mets un autre là. Je pense que c'est suffisant. Bon, j'en ai un autre petit. Allez, je vais le mettre. Ah, j'en ai deux autres petits. Est-ce que je les mets ou pas? Je pense que ça sera pas mal de plus. Ça suffira. Alors, regardez la découpe de ces nuages. Vous le voyez, il y a quand même une partie qui est embossée, qui est gaufrée. Ils sont vraiment très, très beaux. Je pourrais les laisser aussi, hein. Si j'ai pas de temps, honnêtement, je les fixe comme ça avec des mousses 3D. Et c'est totalement possible. Alors là, vous avez vu, hein, j'ai vérifié que je ne me suis pas trompée. Et allez, je fais exactement la même opération. Je prends ma brosse, je la fais circuler sur mon pad, je décharge un petit peu ma brosse et je commence par l'extérieur. Donc là, je suis avec du béguin bleu, donc c'est beaucoup plus clair. On a un travail qui va être beaucoup plus progressif. Mais là, c'est bon, là, je l'ai bien ancré. Et là, c'est nickel. Donc, pareil, mes petits nuages, je ne vais pas les jeter après. Je vais pouvoir les réutiliser dans un autre projet. Ok, donc je les utilise là, on pourrait dire, c'est l'inverse du pochoir. Parce qu'en fait, là, je n'ai pas de socle qui entoure mon pochoir. C'est du masquage, en fait, les pochoirs, c'est du masquage. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. Donc, dans le commerce, on aurait trouvé des pochoirs donc, en PVC. Des planches donc de format A5, la plupart du temps, en plastique, avec des formes prédécoupées à l'intérieur. Alors là, vous voyez, j'ai les doigts sales, je viens de faire deux bêtises. J'ai ma photo qui va aller dessus, ça ira. Faites attention. Hop, 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 c'est pas bien magaillé. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Donc là, je ferme avec le poing, du coup. Ah là là. Ah si, parce que je vais tenir mon papier. Voilà, ça tient sur le côté. Ouais, j'adore peindre avec les doigts, c'est pour ça. Hop, hop, hop. On tourne, on tourne, on tourne. Donc, je pars sur le même principe qu'en bas. Je fais bien mes bords. Et puis, je vais autour de mes formes. Mais là, j'y vais beaucoup plus avec moins d'encre, moins d'assistance. Toutefois, vous allez voir, nos formes vont quand même se voir. Hop. Alors, j'ai une petite astuce à vous donner. Mes tâches me font penser à quelque chose. Si à un moment donné vous faites une tâche, mais alors vraiment pas bien placée, et que c'est juste une tâche, que dessous vous n'avez rien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le daquin. C'est ceci. Vous allez vous aider donc directement d'un coton-tige, c'est un antiseptique. Hein, et ça fonctionne un petit peu comme l'eau de Javel. Et vous allez tapoter directement sur votre tâche. Et la tâche va disparaître. Alors, en fonction du papier, celui-ci peut un peu jaunir. Mais honnêtement, si vous avez une grosse tâche, c'est pas trop grave que ça jaunisse un petit peu le papier si la tâche de couleur s'en va. Voilà. Alors là, maintenant, je vais enlever voilà, mon bord. Je vais bien ancrer
pour essayer de rattraper. Oups. Oh là là, je fais des catas là. Hop, c'est pas bien. Voilà, un angle. Vous avez vu mes deux katas là, pac, pac, pac. Est-ce que je vous montre l'utilisation du dakan du coup? Voilà, donc là j'ai rattrapé mon masking tape et j'ai fait mon zonage. Je vais m'essuyer les mains, je crois que j'en ai vivement besoin avant de faire d'autres catastrophes. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour mettre autant d'encre sur les doigts. J'ai dû toucher l'encreur directement. Voilà. On s'essuie. On ferme notre encreur vu qu'on a fini. Et nous allons enlever nos petits nuages. Et c'est magique. Alors là, j'ai le scotch double face qui est resté dessus, mais c'est pas grave. J'ai des petits nuages qui apparaissent. Et ils sont tout doux, mes petits nuages. T'as vu ça? Alors en fonction, en plus j'ai des effets, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des endroits où je suis plus passée d'un côté que de l'autre. Du coup, on a vraiment cette sensation du nuage qui passe. Alors, je vais voir un petit peu avec ma photo, mais je pense qu'effectivement, ma petite bêtise, je ne la verrai plus après. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Maintenant, nous allons faire l'inverse. Nous allons effectuer la découpe donc, de nos petits oiseaux et nous allons donc les coloriser. Donc, je mets de côté ma planche. Je reprends mon papier, donc j'avais mis directement toute la feuille. Alors je regarde parce que j'ai un petit panneau. Ok, tout va bien. Et donc je vais découper directement mes oiseaux dans ce papier. Hop. Mes oiseaux, ils sont directement ici. Voilà. Je vais prendre ma petite machine de découpe, alors dans la grande, ça va m'éviter de recouper. Voilà. Et je vais découper donc deux paires d'oiseaux. Hop. Voilà. Je récupère mes petits oiseaux. Alors, si vous... La particularité, c'est que notre papier va être plus épais que d'habitude avec notre scotch double face, avec notre feuille adhésive, pardon, collée au dos. Donc, si vous utilisez des poinçons comme moi, très détaillés, j'y suis passée au moins 3 ou 4 fois avant de sortir mon sandwich. Pour être sûr que tout soit bien découpé. Là, vous voyez les oiseaux, un seul passage, ça suffit. Mais pour les vagues, vu que j'ai des parties qui sont super fines, j'ai pas voulu prendre le risque. J'y suis allée, j'ai tourné donc 3-4 passages. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop. Et voilà, ça y est. J'ai mes petits oiseaux. Je mets la machine pas très loin parce que il nous restera le gros oiseau à découper. Hop, voilà. Et donc, je vais prendre mes petits oiseaux, ma memento noire. Voilà. Je peux reprendre la brosse qui est ancrée en plus foncé. Oups, attention. Je me suis mis. Donc, c'est celle-ci. Et je vais faire exactement la même chose, sauf que là, je fais directement sur ma découpe. Je vais passer donc de la memento, ce qui va permettre d'avoir mon oiseau qui va être
en volume sur ma page. Donc j'apporte, ça y est, là je commence à apporter du volume, du 3D, et qui va donner donc cet effet vraiment plus aérien de mon oiseau que si je l'avais découpé dans du papier noir. Voilà. Hop. Et puis si j'ai pas de papier noir, vous avez vu, hein, je peux faire le papier de la couleur que je veux. Moi, quand j'ai commencé effectivement à découvrir toutes les belles couleurs Stampin' Up, je n'avais bien sûr pas toutes les couleurs. J'avais des papiers d'une certaine couleur, des encreurs d'une autre. Et ben, c'est très simple. Lorsque je voulais du papier assorti à mon encreur, ben, je prenais mes brosses et j'ancrais mon papier blanc et il devenait donc du papier de couleur. Donc c'est des solutions aussi. Lorsque vous avez flashé sur un encreur, vous pouvez coloriser votre papier. Hop, voilà. Maintenant, on va faire... Ça y est, je commence à faire des choses. Maintenant, on va faire notre petit oiseau qui va être sur son ponton. Donc là, la magie, c'est que j'ai le poinçon qui est assorti directement au tampon. Voilà. Je vais faire exactement la même chose. Je vais refaire sur mon papier blanc simple. Ah, là le bloc acrylique est trop petit. Je vais directement imprimer mon image sur mon papier. Voilà, qui est là. Hop, je nettoie bien parce que force de passer dans ma moulinette, mes plaques, elles sont, elles vivent. Donc, voilà. Il y a des petites poussières qui peuvent arriver. Je vais vite essuyer mon tampon. Voilà, voilà. On voyage, on est déjà en vacances. Alors pour toi Dolly, j'imagine que c'est un peu moins exotique, ça correspond plus à ton quotidien. À moins que tu sois dans une partie plutôt montagneuse de l'île de la Réunion. Mais pour moi qui suis dans le centre de la France, ben dans le centre, pas dans le centre, dans le sud-ouest, on n'a pas la mer à côté. Il faut un petit peu rouler, on n'en voit pas tous les matins. Et voilà, j'ai mon oiseau qui est découpé. Je vais le ranger dans sa boîte. Voilà, idem pour le tampon. Et on est parti, on n'a plus qu'à assembler. Alors, je pousse délicatement mes découpes. Et là maintenant, je vais travailler sur ma photo. Ma photo, je la considère un petit peu grande. Je trouve qu'elle va me masquer un petit peu trop tout le travail que je viens de réaliser. Hop, je mets mes nuages de côté pour un futur projet. En plus, là, je vois un lampadaire. Donc, je vais commencer par couper la partie qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire la partie avec le lampadaire. Voilà. Donc, je positionne bien ma photo dans mon coupe-papier. Et ensuite, bah, je vais... Je ne sais pas si je la raccourcis un peu ou pas. Je trouve que la partie bleue est quand même un peu importante. Je vais un peu la raccourcir. Pas de beaucoup, mais... Allez, 1,5. Allez, juste 1. Allez, étape par étape. Parce que je voudrais qu'il soit un petit peu centré quand même, entre le haut et le bas. Et là, je pense que je tiens quelque chose. On est pas mal. Hop, et bien, voilà, c'est parfait. En vous attendant tout à l'heure, j'ai commencé à réaliser donc mon souhait. J'ai changé, j'ai pris le mot crayon, parce que je trouve que quand même c'est totalement adéquat par rapport à notre live. Mais par contre, je suis restée avec la magnifique étiquette en bleu nuit miroitant. Il est magnifique ce papier, et donc on va pouvoir le coller dessus. La première chose que je vais faire, c'est je vais fixer mon ruban. Pourquoi ? Parce que je vais faire un petit montage avec la photo et mon oiseau qui est
qui est sur son ponton. J'ai envie qu'il sorte de mon ruban. Donc là, je me coupe un petit peu de mon ruban. Voilà. Et je prends du ruban scotch double face. Je vais fixer. Donc sur la partie, je vais rester avec mon ruban, je ne vais pas le travailler au niveau de la couleur. Il me va comme ça, il m'apporte effectivement du contraste. Je vais donc le couper de la longueur dont j'ai besoin. Et vu que je ne suis pas avec les bons ciseaux, c'est un peu moins rapide. Voilà. Et je vais mettre ma partie de ruban scotch double face. Donc sur, je vais toujours pareil m'aligner de mon quadrillage de ma feuille de brouillon pour essayer d'être droite. Et par contre, je vais faire attention de ne positionner mon ruban que sur une partie plutôt basse. Alors bien sûr, il ne se met pas là où je veux. Un peu trop ouvert, c'est pour ça aussi. Alors, je vous rappelle que notre ruban se découpe directement avec les doigts. Donc, c'est pour ça, pareil, que je ne stresse pas. Voilà. Voilà. Hop. Je vais enlever le papier adhésif. Et je vais fixer mon ruban dessus. Alors, j'essaye toujours pareil de rester un petit peu alignée. Donc là, on a caché un petit peu le montage de nos vagues. Elles sortent du ruban. Je trouve ça très, très joli. Et puis maintenant, je vais directement coller mon ruban double face sur mon ruban effiloché pour pouvoir le fixer sur le dos de ma création. En effet, je veux que mon ruban fasse vraiment le tour de mon papier. Je veux qu'il soit fixé sur le dos, qu'il donne cette impression de faire tout le tour du papier, même si ce n'est pas vrai. Ça va me permettre de bien le caler, de ne pas avoir de partie justement qui s'effiloche, d'avoir quelque chose de très propre. Voilà. Et puis, je sais que mon ruban ne bougera pas là. Vous voyez? Nickel. Donc là, je vais pouvoir glisser dans mon ruban effiloché, donc mon petit oiseau. Et mon grand oiseau qui est là. Alors, je pense que là, si je fais un montage comme ça, je suis pas mal. Ça me plaît bien. Est-ce que je le décentre un peu plus? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ça me cache un petit peu de la vague. On va peut-être faire comme ça. Voilà, comme ça, mon oiseau, il sera un petit peu plus dans le contraste. Pour fixer, c'est très simple, je vais prendre donc ma colle liquide multi-usage. Je pourrais continuer aussi avec... Oh là là, Magali! Vous connaissez vous aussi ce geste fantastique? Alors, on ne va pas s'énerver. Il y en a un autre là. Voilà. L'avantage de la colle liquide, c'est que je vais pouvoir un petit peu faire bouger ma photo pour bien m'ajuster comme je le souhaite. Et en fait, je l'appuie sur mon... j'ai pas besoin là de réfléchir à un alignement. Je m'appuie sur le ruban. Donc ça, c'est super, super confort aussi. Voilà, mon oiseau, je sais qu'il est droit. Et lui, en fait, je vais mettre un petit point de colle donc sur le bas. Et sur la partie haute, je vais mettre une mousse donc adhésive parce que j'ai envie qu'il soit un peu en volume. Donc oui, mon ponton va sortir directement de mon ruban, mais mon oiseau, là, lui, il va être un peu plus en hauteur. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais rester avec ma colle pour pouvoir coller mes petits oiseaux. Ils sont partis, ils se sont envolés.
j'adore me faire des blagues. Ils sont où? Vous les voyez? C'est pas possible. Alors, on se détend. Où sont mes oiseaux? Je les vois plus. Ils sont tombés? Non. Pas tombés. Là, j'ai l'étiquette. Ah! Ok, c'est bon. Ils étaient sur la feuille et je ne les voyais pas. Ça va bien se passer. Et là, je vais les coller en groupe, en fait. Et je vais mettre de la colle que sur un seul côté. Je n'ai pas besoin de faire les deux côtés. Vous me direz que je pourrais aussi utiliser le fait que j'ai réalisé donc une partie sur du papier en collé. Mais en fait, vu que je veux fixer qu'un côté pour m'amuser à travailler avec les ailes, alors je ne vais pas mettre sur le nuage peut-être. Voilà, après je vais aller avec mon petit chiffon pour nettoyer, pour faire que je sois un peu plus propre. Voilà. Ça déborde de partout. Voilà, et une dernière. Ah, une dernière. Ah, voilà, entre les deux nuages. Donc là, je prends mon petit chiffon, je vais un peu tapoter parce que j'ai la colle qui est un peu débordée. Donc ça, on le fait de suite, sinon c'est la cata. Ça part plus. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'ai mon souhait crayon que je vais directement fixer sur mon étiquette. Donc là, je vais utiliser la partie adhésive, donc vous avez vu. C'est très simple. Voilà, je décolle le petit papier de côté. Et je vais fixer mon crayon qui bouge un petit peu, pareil. Voilà. Et je vais lui mettre au dos des mousses adhésives pour le fixer sur mon oiseau. Voilà. Hop. Et donc, est-ce que je le mets comme ça? Ah, ça peut être sympa aussi. Je l'ai mis un de biais, mais ça peut être sympa de mettre qui surfe sur la vague. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, sur mon premier, j'avais fait directement le souhait sur la photo et de biais. Et là, je me suis amusée de le faire surfer sur la vague. Ça peut être très sympa aussi. Ok, super. Et là, on va s'amuser à faire des tâches. Alors, vous êtes prêts? Je prends ma recharge d'encre liquide. Hop. Je mets quelques gouttes donc sur mon plan de travail. Moi, il est en verre, donc je peux. Mais prenez une assiette, un support en plastique. Voilà, je vais prendre ensuite un aquapainter. Je vous rappelle qu'ils sont vendus par vos deux, trois. Nous avons donc trois tailles différentes. Je vais bien l'humidifier. Même avant, je vais utiliser mon petit pistolet d'eau pour mettre directement dans mon encre. Comme ça, je suis sûre que je vais pouvoir faire des tâches. Donc, je plante mon pinceau dans ma tâche et je vais prendre donc un plioir. Je vais me faire un petit peu de place. Je vais essayer de vous garder au milieu au niveau de la vision. Et là, je vais faire les tâches. Donc, en fonction de l'orientation que je vais donner à mon pinceau et du mouvement que je vais faire en tapant sur mon pinceau, mes tâches vont être un petit peu différentes. Ok, je vais jouer là-dessus. Alors, je vous montre. Donc là, vous voyez, j'ai quelques gouttes. Et là, j'en ai beaucoup plus. Donc, je vais m'amuser à en mettre un petit peu partout. J'en ai sur mon ruban, mais ça ne me dérange pas. Voilà, et un peu plus sur ma vague. Hop. Et là, je fais
Vous voyez, tout petit coup, toute petite tâche. Voilà. Voilà. Alors, j'essuie donc ma photo. Donc, directement. C'est pas obligatoire, hein. Moi j'aime bien. Vous faites comme vous voulez. Ma photo étant sur du papier glacé, j'ai le temps d'essuyer. Ensuite, donc j'essuie un peu, je nettoie après. Et ensuite, j'ai ma dernière petite recette de smooth print. Alors j'en ai un qui marche et l'autre qui ne marche pas. Alors je vous rappelle ce que j'appelle moi les smooth print. C'est tout simplement de l'alcool mélangé avec de la peinture chatoyante. Ce qui permet donc d'avoir un petit effet. Voilà. Pailleté sur votre création. Alors, en fonction de, toujours pareil, de l'orientation, de la distance que je vais mettre avec mon projet, mes éclaboussures vont être différentes. Hop. Alors, c'est de l'alcool, ça va vite sécher. Mais il faut quand même quelques minutes avant que ça sèche. J'essuie sur la photo, toujours pareil. Et je ne sais pas si vous voyez, mais mes taches vont produire. Donc, j'ai de l'alcool. Ça va me produire une légère décoloration. Ça se voit surtout sur le bas. Une légère décoloration au niveau de mes bleus, comme si c'était des bulles. Et en plus, donc, je vais avoir mes petites bulles qui vont être pailletées. Donc, c'est super sympa. Donc, en haut, c'est un peu moins flagrant. Là, c'est en train, il faut que ça sèche un petit peu parce que ça fait comme si c'était gondolé. Mais ça va me faire des petites taches pailletées. Voilà. Et puis deux ou trois ornements. Et puis, on est pas mal. On a passé une petite heure ensemble à créer donc une page de scrap. On est parti en vacances. Moi, personnellement, ben, j'étais à le 4. Voilà. C'est le cas de le dire. Et donc voilà, donc je vais m'amuser peut-être à alterner avec les couleurs. Là, je vais partir un peu plus avec le bleu nuit. Et ce bleu qui est beaucoup plus clair. Moi, j'aime bien mettre sur les photos. Mais là, ça ne va pas trop se voir. Je vais en mettre un ici. Voilà. Un plus clair sur la photo. Voilà. Et puis un autre plus foncé dans les vagues. Voilà. Allez, un petit dernier plus gros. Par ici. Voilà. Et bien voilà. Est-ce que ça vous plaît? Qu'en dites-vous? Alors j'essaie de bien vous mettre sur le. Voilà, de vous mettre la lumière. Donc là, vous voyez, on a utilisé nos outils. On n'a pas eu besoin d'aller dans un magasin ou de faire une commande en ligne. On avait tout ce qu'il nous fallait. Il nous fallait juste du papier en soie et des poinçons. Une petite astuce, donc c'est le collage des feuilles autocollantes derrière notre papier blanc épais pour qu'il soit plus rigide, pour qu'il ait une meilleure tenue. Okay. Et puis des encres et des brosses, c'est tout. Une jolie photo aussi quand même. Voilà. Donc l'original, je m'étais le souhait, donc je l'avais mis en haut. Et finalement, ma bande de bleu était beaucoup moins importante. Donc là, je trouve que c'est très sympa. Là, on voit bien la vague sur mon original. Là, je l'ai un petit peu caché avec mon souhait. Mais bon, on la voit aussi sur la fin. Donc voilà. Et il y a le joli travail au niveau des nuages. Allez, j'ai changé la vision. Je vais vous retrouver quand même pour terminer ce live. J'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère que ça vous a plu de créer avec moi. Mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs. Merci Sylviane. Très jolie page, merci. Je suis contente qu'elle te plaise. Et puis, elle fait voyager. Hein. C'est toujours ça qui est magique avec le scrap. C'est qu'on utilise des moments qui nous sont fétiches, qui nous sont favoris, qu'on a aimés, qu'on a envie de garder. Et donc, lorsqu'on est sur cette photo, en train de la travailler, on est un petit peu en train de le revivre. Donc, je trouve ça très, très agréable. Et puis, toujours pareil, le travail du papier.
cet art visuel qui nous permet vraiment d'utiliser beaucoup, beaucoup de techniques. Colorisation, découpe, embossage, voilà, un petit peu de chimie avec les encres et les taches. Et voilà, et le tour est joué. Donc j'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer avec vous, à patouiller, à faire avec les encres. Vous savez que c'est quelque chose que j'adore. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me montrer votre création, votre interprétation si cette vidéo vous a inspiré. Et si je suis allée trop vite à un moment donné, ou si vous voulez avoir un peu plus de détails sur un produit que j'ai utilisé ou sur une technique, donc n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire de cette vidéo, soit directement en mode privé. Je suis là pour vous accompagner. Ça me fait toujours très très plaisir ce partage créatif. Voilà. Vous recherchez d'autres inspirations, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site www.magalidangean.com. Dessus, vous retrouvez des idées de création, mon blog avec toutes les actualités, mes inspirations, mes citations, voilà, que je partage avec vous avec beaucoup de plaisir. Les informations Stampin' Up, bien sûr, ainsi que ma boutique pour commander donc ce magnifique matériel qui nous permet de créer avec beaucoup de polyvalence. Voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end pascal de 3 jours. J'imagine que vous allez profiter peut-être avec les vôtres. Profitez aussi du beau temps. On a une bonne météo dans le sud-ouest. Je pense que ça va être très très agréable. Pour moi, je vais travailler, mais ça sera toujours beaucoup de plaisir vu que je me forme pendant ce week-end pascal. Voilà, comme ça me fera d'autres compétences que je pourrai encore partager avec vous avec beaucoup de joie. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours donc nos deux rendez-vous. Alors, mercredi matin, justement, vu que je serai encore en formation, je vous propose de directement enregistrer notre vidéo du café créatif du mercredi matin. Je vous la diffuserai donc pour l'heure, mais elle sera enregistrée, elle ne sera pas en live. Par contre, pas d'excuses, à 18h, j'aurai terminé ma formation et je pourrai voir vos commentaires et voir votre inspiration par rapport à ce moment de détente que je vous propose. Je vous rappelle la formule, on se pose pendant 30 minutes et grand maximum, je parle beaucoup, c'est pour ça que ça dure 30 minutes, mais après je vous propose de créer avec très très peu de matériel et de vous accorder 15 minutes de créativité, de bouffée d'oxygène. Je vous l'envoie et puis vous la recevez, vous la transformez, vous la recevez juste. Voilà, c'est tout est ok, c'est vraiment votre espace à vous, votre entière liberté. Et puis vendredi prochain, bien sûr, on sera en live, en direct, pour un nouveau projet créatif autour du papier, une bonne heure de créativité, où j'aurai la joie de partager mes techniques. Bonjour Sandrine. Oui, ben c'est pas grave, tu auras le replay qui sera disponible. Merci beaucoup pour ta fidélité. Je te montre, du coup, je suis restée cette fois-ci dans la même thématique que mon projet. Mais tu vas voir, il y a là aussi beaucoup de patouilles et quelques techniques qui peuvent être intéressantes. Voilà. Je prenais bien soin de vous, de votre lumière et de votre créativité. À très bientôt, à très vite. Je vous dis ciao, ciao. À la semaine prochaine.